Ok, yo tout le monde, c'est Revenzio pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci du Fortnite Battle Royale. Donc aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle saison ensemble. Bon, je fais ça un jour en retard, mais t'inquiète, on n'a rien vu. Alors, quoi, il y a ça dans le jeu? Truc de ouf, on commence déjà bien la vidéo. Du coup, je n'ai pas encore joué à la nouvelle saison. Donc on va la découvrir ensemble, comme vous pouvez voir, je suis niveau 1. Voilà, j'ai même pas un seul XP de gagné, quoi. On va aussi regarder le pass ensemble, on va l'acheter aussi. Et on va en même temps voir la boutique d'objets. Bon, à ce qui paraît, la saison elle est pas ouf, hein. À ce qui paraît, donc. Je crois d'après ce que j'ai entendu, il y a un pont qui est pas mal. Il y a un pont qui est pas mal cheaté d'après ce que j'ai entendu, donc. On verra bien ça en game. Bon, on va déjà regarder le pass ensemble. Ouais, il n'y a que les trucs intéressants, hein, pioche et skin, parce que bon, sinon on va passer longtemps ici, hein. Il est vraiment pas ouf, hein, ce. Ah, c'est des pioches, ok, d'accord. Voilà, vraiment pas ouf. Ouais, pourquoi pas. Ouais, non, moi personnellement je suis pas trop. Ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien les couteaux. Pas ouf, ouais. N'hésitez pas à me dire dans la. Dans l'espace commentaire. Ok. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez vous de la saison. Moi perso, je suis clairement pas fan. Pas ça va, c'est stylé quand même un peu. Voilà, les stylés au ciel. Moi bon, c'est pas si ouf que ça, hein. Alors là on a les trucs avec les skins. Oh, comme ça c'est stylox. Ah bon, ouais, plus rien. Surtout on a les quêtes ici pour eux. Et après, on a Eren Jaeger. Ou. Ouais, Jaeger. Je sais pas comment. Je sais pas trop comment on dit. Moi, je dis Eren Jaeger, donc. Attaque des titans. Bon. Et après, le club Fortnite qui n'a pas changé. Bon, on va s'acheter le pass déjà pour commencer. Non, on va prendre le normal. Alors d'habitude je prends les 25 niveaux, mais là j'ai pas trop envie. Parce que je sais pas si j'ai joué tant que ça la saison non plus. J'achète juste histoire de dire que bah, j'achète le pass quoi. C'est tout. Sinon j'ai pas vraiment de but à acheter le pass, on va dire. Voilà, bon, on va pouvoir lancer une game et découvrir du coup cette saison. Qui a l'air d'être plutôt quand même pas mal, hein. Ah, j'ai vu aussi maintenant les quêtes, c'est ici maintenant. Il n'y a plus le fameux bouton. Enfin, nous c'était pas tactile, je crois, sur PS4. Pas tactile pour. Maintenant, c'est pas tactile, c'était une flèche, je crois. Bref, je sais plus. Du coup, ça veut dire on peut plus voir. Ah, si, là, on peut voir la carte. Ouais, donc on va essayer de découvrir les petites zones qui est ici. Là-bas, déjà, ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, non, à la limite, la petite île là, ça me plaît bien. Multivillage. Mais elle là, je sais que elle, c'est. C'est la ville futuriste là ou Tokyo comme les gens ils disent. Je préfère pas y aller parce que ouais, ça a l'air d'être la ville tryhard. Ça a l'air d'être un tilted tower là-bas, donc moi je préfère éviter. Et du coup dites-moi votre avis dans les commentaires sur la nouvelle saison et la carte aussi, pourquoi pas. Et les skins aussi. Moi je les trouve vraiment pas ouf. Ben non, on va essayer de faire top 1 pour essayer de voir le planeur, si possible. Merde, j'ai lancé du haut comme un trou de balle, purée. Ah mince, j'ai lancé du haut. Mais j'avais pas vu. Bon, écoutez, j'arrête là et on se reprend juste après. Je vais faire une coupure. On se reprend quand je suis en solo. Ok, du coup, re tout le monde. Donc là, c'est dans mon game solo, du coup. J'avais oublié de record. Je suis trop bête.
Donc on va aller ici, comme ça par après on pourra se rétracter ici, vers la ville que les gens appellent Tokyo. Enfin, du moins j'en ai entendu quelques-uns l'appeler Tokyo, après je sais pas si tout le monde l'appelle Tokyo, mais... Ah, ça me fait drôlement penser à je sais plus c'est quand, mais il y avait eu une saison où on avait eu un Tilted Tower futuriste un peu. C'est pas Tilted Town, un truc du genre. Ah, je sais plus. Oh putain. Ah, là déjà. Oh là là, les gars, j'ai même pas atterri quoi. Ouais, je suis mort, hein, les potes. Oh putain. Faut te faire foutre, toi. Oh là là, les gars, je suis en sueur. Je suis en sueur. Oh putain. Non, mais le début de saison critique, quoi. Bon, à côté, on va se barrer, les potes, d'ici. On a découvert la ville. On sait qu'il y a Kenjutsu Crossing. Ok, pourquoi pas. Kenjutsu, ouais. D'ailleurs, en plus, vous avez vu les nouvelles portes, là? Il y avait des portes trop bizarres, là, que j'ai ouvert, là. C'est vraiment stylé. Bon, on va aller ici. Ouais, je suis sûr qu'il y a quelqu'un à tous les coups, quoi. Oh, regardez la fameuse... Ah, mais... Wow! Eh, stylé! Wesh! Oh, quoi? Elle passe des vitesses! Oh, le truc de ouf! Elle passe des vitesses et tout! Incroyable! Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh. Bon, attendez, lui, on va vite le tuer. Quoi? Elle est déjà en feu. Par contre, elle a pas beaucoup de vie, la bagnole, quand même. Mais ça y est, lui, frère. Il a 5000 de vie aussi. Bon, je vais essayer de le finir à la pioche. Oh là là, désolé, les potes, si je suis nul, mais. C'est assez compliqué. Ah bah alors quand même la voiture, elle est en rouge aussi. Ok, on va se healer tranquille. Et après je vais aller voir la moto là, parce que la moto elle m'intéresse aussi là. Non par contre, elle est trop stylée cette voiture là. Comment ça peut... On peut les ping? Ah ouais, la Nitro Drifter, tu m'étonnes. Par contre, c'est la première fois que Epic Games font des voitures qui passent les vitesses. Hein. Exceptionnel. Bon, ça risque sûrement d'être une game très merdique. Je sais même pas si je vais faire. Top 1. Dégâts 21. Silencieux ravageur. Silencieux ravageur. Ouais, bon. Ah, maintenant ils ont mis du bruit pour les caisses. Ok. Ouais, moi je trouvais qu'on les voyait déjà assez comme ça. Hein. C'était pas la peine de rajouter un bruit. En plus, je trouve le bruit un peu dérangeant. Je suis un peu chiant. Ah, cool, l'envers ici. Non, bordel. Ah, putain, elle spam! Je suis trop bête, j'étais au pied, occupé à appuyer tout le temps sur mon bouton R2, je pensais qu'elle spamait pas. Bon, est-ce que je vais pouvoir tester ma moto ou. Ah oui, du bolide. Hein. Ah ouais, non, j'aime pas du tout par contre. On va aller chercher l'autre. Là, c'est l'eau. Ça c'est mort. What? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais j'arrive pas à comprendre son gameplay. Ah
Ok. Pourtant, ça... Ah, déjà premier bug. Et ici, il y a un mur invisible. Oh, oh putain. Voilà. Ah, il y a un barrette. Cool. Par contre, j'ai failli bouffer. Arme normale, amplifier la taille du chargeur des armes. Ok, nouveau renfort. Pourquoi pas, c'est cool ça. Un nouveau renfort, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? What? Jouir bébé. Ah non, jaunir bébé. Oh, c'était pas jouir bébé, c'était jaunir. Ok. On va voir c'est quoi ce truc. Oh, wow, il avait assez stuff lui. Incroyable. Oh, par contre, on va se barrer. Quoi? Il y a un mec. Qu'est-ce qu'il faisait lui? Ok, du coup ça c'est le nouveau truc. Taille repoussante, ruée offensive. Ok. Voilà, maintenant on va dégager ce truc parce que moi j'aime pas du tout, c'est purement de la merde. Bon, ça va, un canon du brave. Ouais, juste pour maintenant à la limite, ça me dérangerait pas. Voilà, maintenant on dégage ce bouse. Et j'aimerais bien avoir un meilleur fusil à pompe. Celui-là j'aime pas du tout, le fusil à pompe John Wick là. J'aime, mais genre vraiment pas. Et du coup, ah ouais, du coup on peut découvrir la ville, elle s'appelle Mega City. Ok. Je sais pas c'est quoi ce truc, je l'ai pris. What? Ah, ok. Je sais même pas si c'est bien de monter là. Bon, 104. Ah 114, vas-y, lui, il doit être bien meilleur lui. 5 balles. C'est quoi ça? J'arrive pas à comprendre. Cage de combat. Ah, on a des cages de combat sur. Ok. D'accord. Alors, c'est quand même assez spécial. Hein. C'est quand même assez spécial comme saison. Mais... Ouais. Mais ça me déplaît pas tant que ça. Bizarre, pourquoi il y a une espèce de truc comme ça? Quoi? Ah, mais... Ok. On perd des dégâts? Non. Ok, mais trop stylé ça. Ok, en fait, c'est pour avancer dans la ville. Ok, on vient... Ah, nouveau style de poubelle, ça. D'accord. Bon, pourquoi pas, écoutez. Par contre, j'aimerais bien trouver des... Voilà. Balles de sniper. Merde. Absolument... Oh. Cassable. Quoi? Voilà, on peut casser des trucs dans la ville. Pourquoi c'est un cassable comme ça? Ok, tout ça c'est juste une structure. Alors lui on s'en fout de ce qui... Ah quoi qu'il est, j'ai cru... Hein. Ouais non. Vous trouvez un sirop de sable supplémentaire dans tous les coffres que vous ouvrez, vous recevez des munitions normales quand vous glissez. Ok, sympatoche. Ok, ouais, on prend vraiment pas de dégâts. Je vous avoue que j'ai eu peur un petit moment quand même que l'on prenne des dégâts, mais non. Oh, moi je suis sûr qu'on prend pas de dégâts. Du coup, c'est vraiment pas mal quoi. Si on se retrouve en haut des battes, on peut vraiment, genre littéralement, du coup sauter. Et... Par contre, faut que je ferme. Sauter pour s'en sortir, donc c'est vraiment cool.
J'ai peur qu'il y a quelqu'un qui est caché là-haut, mais tranquille. Je pense que. Je pense pas qu'il y a de gens vu qu'on n'est pas zone là. Techniquement. Là-bas, il y a un coffre. J'en profite pour fermer un peu parce que. Du coup, quand je glisse, est-ce que je reçois vraiment des balles? Ah, mais non! Ah oui, je reçois de l'or et des balles! Ok! C'est vraiment. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Hein. Alors là, on a. Ah, on a deux nouveaux katanas ici. Peut-être que c'est ici qu'on le trouve. Hein, on sait pas. Un nouveau bot, et on peut lui demander un combat. Et ça? D'accord, et ça maintenant on peut les casser les contrats. Moi je suppose que c'est pour les casser pour éviter que quelqu'un nous prenne en contrat, je suppose. Mais ok, maintenant on peut les casser parce que je sais qu'avant on pouvait pas. Hein. On a un mec qui est juste là. Là il s'est barré et j'ai l'impression qu'il avait une moto bizarre un peu, non? C'était pas la même moto que moi hein, que j'avais tout à l'heure, hein, je crois. Si? Alors, désolé si je. Ok. Je vais un peu voir tout. Hein, désolé. C'est sûrement une vidéo d'ailleurs un peu longue. Je m'excuse. Oh, il y a un stuff de combat là. On va pouvoir voir c'est quoi hein, à l'occasion. Voir un peu ce que c'est. Purée, ça me fait peur ça. Je sais pas c'est quoi là-bas. What? C'est quoi ce bordel? Quoi? Attendez, l'île elle vient de spawner là. On est d'accord? Faut conquérir la zone, c'est ça? Ok, c'est très bizarre. Et oui, ça vient de spawner, ça. Et c'est Loot Lake. Ok, prova. Qu'est-ce que c'est, non? Bon, on va attendre, les potes. Putain, il y en a, il va aller voir la zone, je crois que j'arrive pas à avoir le temps. Voilà, j'ai un midi au pire. Faisait écrire rare. Peut-être que du coup, en fait, vu qu'il faisait écrire rare, je suppose que, genre, du coup, il y a des caches épiques, légendaires, etc. Vous voyez. Breuvage légendaire. C'est un breuvage rend des PV du bouclier sur la durée. Breuvage légendaire. Ok. Oh purée, désolé. Oh là là, comment je suis nul. Breuvage légendaire. Ok. Dites-moi si vous savez que ça existait. Parce que moi je savais vraiment pas. Je savais clairement pas que ça existait. Non, c'est nouveau dans cette saison parce que. Oh, j'en ai jamais vu quoi. Il me faut des balles de sniper, j'en ai toujours pas eu. Je crois que si je trouve pas le balle de sniper, je vais virer le barrette hein. Parce que vous voyez, ça sert à rien que je garde le barrette si je n'ai pas de balles en soi. Autant prendre des grenades. Hein. Ouais, vous savez quoi, on laisse tomber le barrette. Hein. Pas grave. Ah, quoique. Mais même là. Bon, tant pis, y a pas de barrette, les potes. C'est pas non plus grave, quoi. J'aime pas. Là, on a la fameuse drifter. Oh là là. Incroyable la voiture. Vraiment, elle est incroyable. Ah oui, là, ça se fait vraiment pas mal, hein. Je pense que. Et non, c'est pas Loot Lake, hein, les gars, je crois. Enfin, on dirait un peu Loot Lake, mais en même temps, on dirait pas du tout ça. C'est vraiment bizarre, en fait, parce que le truc, il a spawn, genre, comme ça.
Bah bon, ok. Ouais, par contre, les gars. Oh là là, comment c'est abusé! C'est un bug, c'est quoi? Pourquoi ça fait tout le temps ça? Mais ça continue en plus. Je sais pas, je crois qu'il y a un pélo, il s'est mis à prendre des failles illimitées, ou alors c'est peut-être la poule qui à chaque fois prend la faille et retombe encore sur la faille. Là, c'est tout, je pense que ça doit être ça parce que. Faut pas abuser quoi. Le seul qui fouille encore des coffres, je pense, actuellement, sur la carte. Oh là! Mon dieu. J'ai raté je sais pas combien de fois ce que j'étais censé frapper de base. Vous avez un vu. Ah oui, c'est vrai, j'ai plus de barrettes. Oh ouais, j'avais oublié ça. Ouais, les renforts, on n'a pas gardé ceux de la saison passée. Je voulais voir ça. On n'a pas non plus de poissons à collectionner. Ouais, non, je crois que les derniers mecs étaient vraiment tous là-bas. Hein. On va croire que l'île est aussi bien que ça. Ah, mais regarde, ça me donne du build. En fait, ça me donne juste du stuff. Des fois, ça me donne du build. Des fois, ça donne de l'or. Ah, c'est cool, hein. Ah bon, après, faut aussi glisser, quoi. C'est pas le truc qu'on va en limiter tout sur le jeu. Oh ouais, il y avait un mec, mais le truc c'est que. Ouais, je sais pas trop. Ouais, voilà, déjà il y a un mec derrière moi. Ah, ça se bat là-bas. Ah oh, purée, vous voyez, je le savais. Regarde-moi cet enflure. Oh ouais, il a acheté tout le pass de combat lui. Oh! Oh! Oh là là, ce que je lui ai mis! Elle est trop forte cette arme! Oh, je vous jure, elle est trop forte cette arme! Oh, ce que je lui ai mis! Incroyable! Ah, lui, j'étais sûr que lui, je l'avais pas vu aller dans le fight. J'étais sûr qu'il campait quelque part, mais où c'est, je savais pas. Je savais, c'est pour ça que je surveillais. Ok, on est sur un Jamie Tryhard. Ouais, on est sur un Jamie Tryhard, hein. Ouais, Jamie Tryhard, mais de Wish. Hein. Ah, ça fight, après ça freeze, Arma.
Désolé si je parle pas les potes, mais là je suis en tryhard là. C'est où il est en plus, hein, il est caché là derrière. Là. Voilà, hop. Bon, ben les potes, comme d'habitude, hein, première game top 1 sur une nouvelle saison. Je vous avoue que j'avais le cœur qui battait un peu à 10 000 parce que le mec jouait quand même pas mal comme une salope. On a quand même 8 kills, hein, quand même, les potes, c'est vraiment pas mal quand même, 8 kills. Et le mec jouait quand même vraiment pas mal comme une grosse salope. Mais on s'en est vraiment pas mal sorti. Et je suis plutôt fier parce que en plus je fais vraiment d'exploits quand même dans cette partie. Hein. De juste survivre pour moi les gars c'est un exploit. Du coup t'as pas un 8 kills, nouvelle saison, écoutez pourquoi pas, c'est déjà pas mal. On va découvrir le planeur, j'espère quand même qu'il est stylé parce que j'ai vraiment joué tous mes morts. Hein. Non. J'aurais ce truc. Allez là ça m'en... Ouais. Désespéré. Bon,
Eh ben les potes, du coup, voilà, c'était la nouvelle saison, accompagnée d'un petit top 1 qui est plutôt pas mal. Et donc voilà. Hein. Bref, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et à surtout me dire votre avis dans les commentaires sur cette nouvelle saison. Pour moi, ça sera un 5 sur 10 parce que le pass de combat, nul. Parapluie, nul. Les armes, il n'y a pas vraiment eu d'effort, hein, à part peut-être un nouveau fusil à pompe et katana et quelques trucs. Ouais, ça me désespère plutôt pas mal. Les saisons à l'époque étaient quand même mieux travaillées. Même la cinématique, hein, je ne l'ai pas montré dans la vidéo parce qu'elle durait pas mal de temps, mais sinon elle était vraiment pas ouf. Mais voilà, bon, voilà. Dites-moi votre avis sur 10 dans les commentaires. Et puis voilà. Enfin bref, du coup, c'était Fatality. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement demain ou dans plusieurs jours.